Alors bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors on va finir mes bicages que je dois faire pour vendredi. Donc là on va faire les petits triangles pointe en bas bleu. Alors nous sommes toujours sur la toile Oraloa entre crépuscule. Et l'aube. Donc là, c'est le 18. Donc je roule ma toile hein, à chaque fois. Comme ça, c'est bien plus pratique pour la tenir. Alors, c'est une petite astuce de Brigitte. Donc c'est la toile où je suis en duo avec elle. Donc vendredi, ça sera à elle de tirer les cases. Donc j'ai dit du 18. On va démêler tout ça. 18. Alors c'est un brun, pas clair clair, mais un brun clair. Donc je voudrais vous remercier. Car cela fait un an que ma chaîne est ouverte aujourd'hui. Donc, je voulais vous remercier du fond du cœur. Je prépare un petit concours. Car nous sommes 315 abonnés actuellement sur la chaîne. Donc, je sépare mon fil en deux. Car c'est une... Pardon, je s'est fait bouger car c'est une 11 CT, donc je la travaille en 3 brins. Donc il y a quand même un peu un chouï de décalage hein, sur ma toile, mais bon, c'est faisable. C'est faisable. Donc, je prends mon aiguille. Donc là aujourd'hui j'avais besoin de faire une vidéo. Pas besoin. Psychologiquement, on va dire. Entre guillemets. Donc je pique toujours dans la trame. Je passe mon fil. Je laisse. Bah, je le passe jusqu'à l'extrémité. Je pique au milieu. Vous voyez toujours bien. J'ai oublié de supprimer bien sûr les vidéos que j'avais mis sur YouTube. Donc là, vous l'aurez que lundi, je pense. Faire une petite vidéo ouais, parce que j'ai encore ma voiture en panne. J'ai emmené mon gamin hier et en fait je voyais la jauge du réservoir comment on dit diminuer et donc j'ai mon fils je regarde, c'est bizarre. J'ai déjà avant de partir, j'étais à moins d'un quart, donc j'ai fait moins le plein. Et heureusement, il a vidé le bidon. Ce moment-là, il me ramène du Luxembourg quand il fait pas trop chaud. Alors là, c'est mort. Hein. Donc j'ai envoyé un message à mon mari, savoir si je devais commander les durites. J'attends sa réponse. On en a mis des sous dans cette voiture ce mois-ci. On a plus de 400 euros. Mais plus les factures qui tombent. Hein. Donc, très difficile. Ce mois-ci, on fera avec. Hein, ce que vous voulez que je vous dise.
n'a pas le choix, j'ai besoin de la voiture. Rien que pour le rendez-vous. Ben, dommage, oh mince, j'ai pas piqué dans le bon. Je reviens. Hop. J'ai piqué pas le bon. La crotte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mis on n'est pas dérangé. Il me semble. Attendez, j'ai des messages. Ne pas déranger. Alors attendez, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Allô, mon aiguille, là. J'ai mal piqué. Donc. Ok, j'avais mon aiguille dans la bouche. Je sais, j'ai un aimant. Bon, il n'est pas trop. Comment qu'on dit? En lien avec la toile, c'est un bonhomme, une tête de Père Noël. Donc là, c'est mieux. Attendez, je regarde si vous voyez toujours bien. Je vais me pousser un peu. Là, c'est bon. Ah, mon fil est coincé dans le boudin. Bon, j'ai mon fils, ça va. Pas trop mal. Le grand est rentré tard hier. Mon mari était le chercher à plus de 9 h du soir. Quasi 9 h. Donc, du coup, à 8 h, on a mangé. Et bah le petit, il monte en dire, il va arriver, je suis pas petit. Bon, qu'est-ce qui se passe là? J'ai un fil qui rebique. C'est pas celui-là qu'il faut tirer. Oh, c'est pas vrai aujourd'hui. Lâche commune. Il y a des jours comme ça. Que voulez-vous faire? Je me suis levée ce matin avec une migraine. J'ai du mal à dormir. Donc. Et non, mais Léo, je tire comme ça. Tu sais même plus où j'ai piqué. D'où il sort ce fil? Bon, je pense que ça va être une journée de cacate. Je le sens bien. Oh, c'est pas vrai. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il a celui-là? Ok. On recommence. Donc là, on est mercredi. Hein. J'aimerais bien finir mes cases aujourd'hui. Oh,
rien du tout. Ah oui, j'ai fermé parce que il y avait un super soleil. Bon, je vais prendre mon copain, l'enfile aiguille. L'enfile aiguille. Non, l'enfile fil. L'enfile fil. Voilà. Je retiens un peu ce fil pour faire des grands grands gestes pour économiser mes épaules. Oh, c'est pas vrai. Oh, ça m'énerve quand ça passe dans le boudin. Bon, je vérifie parce que du coup ok. Faut que je fasse déjà, je vous dis même pas. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie tous pour vos abonnements. Donc je ne sais pas trop si je fais un concours en DP ou en point de croix ou les deux, mais ça sera que à la fin du mois. Je vais préparer la semaine prochaine, je pense. Comme ça, début août, je vous ferai vidéo concours. Alors je sais pas si... non, elle sera pas cachée, je pense pas, je ne pense pas. J'ai encore des tags à faire que je n'ai pas fait, deux je crois qu'il me reste. Alors je crois que c'est un de Roselyne et l'autre je sais plus, faut que j'aille voir. Ce qu'il y a de bizarre sur YouTube, c'est que j'étais bloqué, bah, bloqué entre guillemets à 303 abonnés. Et du jour au lendemain, je suis passée à 315. Je comprends pas. Aïe. C'était mon doigt. Après, je vais vous montrer les casques que j'ai faites. D'ailleurs, hier soir, je me suis amusée à les barrer. Pour suivre un peu, des fois, on a du mal. Et j'avais la fainéantise d'ouvrir ma toile, en fait. Donc, du coup, j'ai pris sur le, bah, sur le patron. Palpitations aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Il n'y a pas mon café quelque part, si il est là-haut. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Alors, franchement, j'en ai gros sur la patate là. Je dis à mon mari, j'en peux plus là, cette voiture. Je m'écouterai, je la foutrai en l'air. Comme c'est une voiture sans permis, c'est tout mon mari et mon fils qui font les réparations. Ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde chez le garagiste. Rien que pour une vidange, il demande 250 euros. Même vidange, quoi. Donc, imaginez-vous les réparations. J'ai une copine qui a aussi une voiture sans permis. Elle fait tout au garage. Le jour, elle avait le moteur de foutu. Oh, oh là là. Je vous dis même pas le montant de la facture, quoi. Aïe. Bien vu. J'espère que vous voyez quelque chose.
comme mon mari, les bricoleurs, ben ça m'arrange. Ce qui devrait la faire réparer en garage. Ben franchement, je dis pas quoi. Bon, tu veux pas ainsi. Si je n'étais pas dans le trou. Ah ben je saigne du coup. Je me suis tellement bien pris. Après c'est pas grand chose. Hein. Attendez, vous voyez pas. Je sais pas, vous allez pas voir peut-être net. C'est pas grave. Ben hier c'était orageux, on a eu un peu de pluie le soir, de l'orage. Bon, on va pas se plaindre parce que dans la région de France, dans le centre, je crois, ils avaient annoncé de la grêle et de la grêle aussi grosse qu'une balle de tennis. Donc, encore un. Comment on appelle ça? Un dégât naturel, quoi. On peut dire ça comme ça, non, mais je sais pas si elles ont un nom spécifique. Et je plains les gens. Après, franchement, je vous dis, j'ai pas eu le temps de regarder les infos hier soir. Ben, j'ai fait un peu de broderie en attendant mon mari qui regarde. Qu'on regarde. En masse. Je vois ce kid. Donc, du coup, il a mis en pause. Avant que ça commence, parce qu'il devait aller chercher mon fils au boulot. Et moi, j'avais préparé pour faire une salade pour aujourd'hui. Faut que j'appelle ma cousine aussi, voir si elle peut m'emmener demain. C'est le jour J demain, pour le gamin. Et hier, il vient me voir, il me fait, c'est normal, je sens pas mon orteil. Ben non, je crois pas. Il me fait depuis l'opération, je le sens pas. Ben j'écoute. C'est quoi ça? Je vais quand même vérifier celui-ci. J'ai un doute. J'ai un doute. Alors, nous sommes au 100. Donc, c'est là. C'est là. Et ça fait vers le 40. Ok. Et l'autre c'est pas le même. Alors H et I. Alors H c'est du 18 donc c'est celui-là et le I c'est c'est du 5200. Ok, donc là ça c'est bon, donc je peux aller là faire les 2-3 points, après je rentre mon fil et on fera ici. Ok, on y va. Donc là aujourd'hui chez nous il y a du vent,
C'est nuageux, donc on va avoir encore de la flotte. Hein. Encore. Ah, mon fils était crevé quand il est entré. On avait ras-le-bol. Ça, en fait, les heures supplémentaires sont pas payées. Donc, ça m'énerve un peu. Bon, après, son collègue, il prend la camionnette du boulot pour venir le chercher. Donc, il peut trop rien dire. On va dire ça comme ça. Bon, là, vous êtes en lumière naturelle. Hein. J'ai pas mis la lumière. Je pense à enlever le fil noir. Bon, ça, je fais hors caméra. Bon, il veut pas. Pourquoi? Ah, ça y est. Je suis assez pas le même à côté. Ok, je range mon fil. Je rends toujours minimum 4 ponts. C'est un peu plus, mais c'est pas grave. Ça, je sécurise. Et ce ciseau-là, tu vois, que je vous avais fait un unboxing sur AliExpress. Nickel. Nickel, nickel. Une coupe de Dieu. Donc, on va faire ici. Alors, je sais plus si je vous ai expliqué. J'essaie de rentrer, bah, de prendre à chaque fois les fils. S'il y a un fil, cela j'en ai marre des fils partout, ça fait des nœuds. Oula, j'ai trop tiré. Ok. On va essayer de pas se piquer, hein. Ça sera bien. Encore une fois. Okay. J'ai fait mon ménage ce matin, j'ai nettoyé les cages, j'ai lavé les aspirés, lavé les sols. C'est pour ça que je prends si tard. Et j'avais un mal de crâne ce matin en me levant. Oh, j'ai pris les cachets. Et 3 heures après, j'ai plus rien. Dans la peau de l'ours, ça va être battu. J'espère que ça ne reviendra pas.
Demain, je vais essayer de faire une partie de la vidéo. Ah non, cet après-midi ou demain. Est-ce que j'aurai le temps demain? C'est ça le truc. C'est comme j'ai rendez-vous chez le spécialiste. Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait en rentre celui-là? Ouais, hop, le filet grand. Je tourne. Bon, après, je pourrais faire des points de nœuds sur la toile, mais je veux pas. Il y a des super sorties de points de croix qui sont sorties hier. Bon, moi là, j'ai la sirène qui me plaît bien, mais c'est mort. Pas ce mois-ci, hein. Pas de dépenses inutiles. Faut que je nettoie les murs aussi. Je vous mets sur pause, je reviens. Donc, me revoilà. Pause urgence. Pause pipi. Hop. Donc là, on fait les traits orange. Donc, c'est du bleu. Et après, je pense que j'arrêterai là la vidéo, j'avancerai de mon côté. Donc pour bien mettre le fil, je passe de temps en temps. Bon, on va essayer de pas de se piquer, ça serait mieux, hein? Vous en pensez quoi? Hop! Donc là, j'étais un peu d'or. Une clope. Le soleil revient. Ça va être comme ça, je pense, toute la journée. On est encore en vigilance orage jusqu'à aujourd'hui minuit. Donc, je pense que c'est la journée où on aura un coup de soleil, un coup de la flotte. Bon, pour l'instant, ce matin, il n'a pas plu. Bon, après, il pleut, hein. Mon mari, ça l'arrange quand il pleut, car il n'a pas besoin d'arroser le jardin. On a récolté deux, trois, bah, quelques tomates, des concombres. Alors les tomates cerises, le petit, il avait faim hier. Alors il m'a dit, maman, je peux manger les tomates. Je lui ai dit, vas-y, parce que je le prépare dans un bol, les tomates cerises. Mon frigo, comme ça, soit qui en veut, bah, il se sert, il en prend. Donc il a fini le bol. Donc on verra ce soir s'il y a des tomates. S'il n'y en a pas, bah tant pis. J'en ai acheté samedi. Bon, après, c'est même pas le même goût. Il hein. Faut que je les ébouillante. Ce que j'ai acheté samedi. Pour. J'enlève toujours la peau. Donc, on a acheté au Lidl. C'est du poulet mariné, déjà quasi cuit, filoché, épicé. Donc j'ai à mon mari, vraiment je ne goûte pas parce que c'est épicé. Du coup il me dit, bah non, bah, je dis non, non, ça ne me dit rien.
Alors, mon mari l'a aimé, le petit bof. Et le grand, il m'a rien dit, donc, puis il était crevé hier. Mais crevé, pauvre gamin. Tâche, il m'a dit, maman, je monte, je vous dis bonne nuit tout de suite. Donc, puis je monte, je vais à la douche et je vous dis. Du coup, je ne l'ai même pas vu ce matin. Je crois qu'il s'est levé tôt, à 5h30, 6h. Je crois qu'il venait le chercher à 6h. S'il arrive à enlever celui-là, ça serait bien. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a? Ils sont roulés dans le fil ou quoi? Oui. La seule petite remarque que je pourrais faire à Oraloa, c'est de refaire les carrés. Un peu plus foncé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'avais enlevé, je l'ai remis. Pas tiré du bon côté. Hop. Voilà. Donc je roule. Je retire sur mon fil. Et après, il y aura les. Je veux juste finir celui-là parce que j'en ai qu'un là. Ouais, ça sera sur la case d'à côté, mais bon. Je suis pas un carré près. Ben, un carré. C'est pas un carré, c'est un point. Oh, j'ai mal l'aiguille dans la main. Hop, ça, je rentre mon fil. J'en ai de l'autre côté, mais bon, ça, on prendra plus tard. Mon fil. Je coupe. Mon fils s'est rentré une plaque de ferraille dans la main hier. Il m'a dit la main, ça va, mais c'est vous savez, les jointures du doigt. J'ai dit quoi, 24? Dit, maman, j'ai heureusement que t'es vacciné contre le tétanos, parce qu'il y a 2 ans en arrière, il s'est coincé les doigts dans la rouleuse. Alors, on va faire quoi? Le vert clair ou le violet? Il y a combien de minutes là? 33. On va faire le vert pâle. Et après, j'arrêterai là avec vous. Comme ça, vous aurez vu au moins 3 couleurs. Alors, vert pâle, où es-tu? Tuk-tuk-tuk. C'est du 31. Allez, on renroule. Les fils dedans, je tape un peu sur la toile pour la mettre droite pour que j'arrive à. J'ai dit quoi? 31. Oh, j'ai un trou. On recommence. Oui, 31. Alors, 31,
sur la deuxième plaquette et c'est du brun clair. Il n'y a qu'un fil. Allez, hop, on sépare en deux. Alors, 1, 2, 3, hop. J'ai un peu moins les mains qui raccrochent dans les fils. La semaine dernière, c'était une catastrophe. Donc, je remets mon fil. N'utilise pas. Ah, je crois que j'ai dû finir mon café. J'ai des médicaments à prendre. Mon fils il va attendre encore un petit peu. Ce vu les antibiotiques qu'il lui a donné, les antidouleurs, ça m'étonne même pas qu'il a pas mal. À part quand il se cogne dans les meubles, mais autrement, il y a pas mal. Là, voilà, il est soutien un peu en train de regarder ses vidéos, le casque sur les oreilles. Il m'a demandé, maman, tu fais une vidéo? J'ai dit, oui, oui. Ok. J'en ai fait une hier avec vous, une aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire une cet après-midi avec le Diamond Painting Strass que je suis en duo avec Vanessa. Je pense que demain ça va être chou patate. Apparemment. Il est rarement à l'heure ce chirurgien. On va passer des heures et des heures dans la salle d'attente demain parce qu'on n'est pas les premiers. On a rendez-vous à 14h10. Puis il y a des pansements à faire. C'est la première fois que je l'utilise. Le celui-là, le verlin, c'est du blanc. Du 5200. Ouais, parce que sur cette toile-là, j'aimais bien mettre le tambour. Le tambour. Et du coup, on n'arrive plus. L'autre jour, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. J'arrivais pas à le mettre. Il y avait un côté qui partait comme c'est épais. Mais pas moyen de mettre le cercle, le tambour. Donc j'abandonne. J'allais appuyer ça comme ça. On va reprendre. Oui, il y a le fil déjà. Je me tâte sur les. Je sais beaucoup que les couturières, ceux qui font du point de croix, ils mettent derrière le col de là, un genre de, comment on appelle ça, de, oh zut, je sais plus le nom, vous allez voir sur la chaîne de ouvrage lumineux, elle achète ça sur Bubinette. En fait c'est une genre de, c'est un tissu que vous mettez derrière. En fait, ça colle. Et comme ça, ça maintient les fils pour pas que ça s'enlève. À essayer. Quand elle sera sèche, je pense que quand vous la lavez, ça part. Comme c'est de la colle, c'est de là. De là. C'est quand je vais arrêter la vidéo, je vais dire, mais c'était le nom là que tu cherchais. Donc, si vous savez le nom,
Ça serait gentil de me mettre en commentaire. Donc, je vous montre la toile. Hop, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Là, on est dans les cheveux de la demoiselle. Donc, on verra ce qu'elle tire comme case, Brigitte. Parce que si c'est 10 cases, je continue là comme ça. Et les 8, c'est comme ça. Et après, suivant le nombre qu'elle tire, si j'arrive à faire le carré comme ça, il y en a 4. Ça fait 1, 2, 3, ouais, 4. Si elle tire 4, j'arrive à faire ça. Autrement, si elle fait 8, je fais là. Et 10, c'est comme ça. Voilà. C'était ma façon de faire. Je raccroche mon fil parce que moi, je vais continuer hors vidéo. Si j'arrive à le mettre, ça serait mieux encore. En bas crotte, alors. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous attends en commentaire. Si vous savez le nom c'est la viscose ou un truc comme ça? Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah écoutez, si voilà, cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit commentaire, un pouce vers le haut. Et je vous souhaite une agréable journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant à l'heure où vous allez regarder ma vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!